à tous. Merci pour votre présence et merci donc au Cercle Rébellion Toulouse pour son invitation. C'est une invitation qui me fait grand plaisir à plusieurs titres, ne serait-ce que par le thème qui va être abordé ce soir, le thème de l'école, de l'éducation, de l'enseignement en général. Déjà parce que je suis moi-même enseignant, donc c'est une problématique que je connais, avec laquelle je suis assez familier, donc ça va me permettre également de m'appuyer sur cette expérience pour essayer de donner un petit peu un caractère assez concret à la problématique que je vais aborder ce soir. Et également parce que, pour ceux qui le savent ici ce soir, l'un de mes engagements principaux, c'est de réhabiliter ce que Paul Valéry appelait la valeur esprit. Dans un monde qui accorde de plus en plus de place à la dimension pulsionnelle, à la dimension physique et corporelle liée au système de consommation et au consumérisme libéral, je pense que c'est une bonne question à se poser, la question de l'enseignement aujourd'hui. Plus généralement, la question de la place accordée à cette valeur de l'esprit. Alors, il faut dire que l'école, qu'est-ce que l'école si ce n'est justement, précisément, le lieu de la formation de l'esprit ? Ici, il faut bien entendre ce que signifie le mot formation. La formation, c'est littéralement la mise en forme. Lorsqu'on parle par exemple de l'information, qu'est-ce que c'est qu'informer ? Bien, c'est mettre en forme, précisément, les esprits. Alors l'information, c'est le rôle des médias, mais le média, c'est l'intermédiaire, là encore. Donc, est-ce que les médias informent ou est-ce qu'ils déforment ? Ça, c'est une question que je laisse à votre appréciation. Mais dans tous les cas, ce dont il s'agit, c'est la mise en forme de l'esprit et des consciences. Qu'est-ce que l'école, donc, sinon ce lieu par excellence de la formation de l'esprit ? Un lieu dans lequel l'enfant est amené à devenir non pas seulement un adulte, mais un sujet critique, un sujet pensant. L'école, c'est l'espace de transmission des savoirs qui fondent notre humanité et qui permettent aux enfants de s'élever à la condition de sujet critique. L'élève, c'est précisément celui qui s'élève. Alors, qui s'élève à quoi ? Lorsque l'on parle d'élévation, nécessairement, on présuppose un haut et un bas, c'est-à-dire une hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est la hiérarchie classique en philosophie entre le corps et l'esprit. Or, c'est par l'esprit qu'on s'élève, c'est-à-dire que c'est par l'esprit qu'on dépasse, qu'on transcende la sphère de la matérialité, la sphère du corps, pour atteindre cette autre sphère qui spécifie l'humanité, qui est la sphère de la pensée, ce que certains ont proposé également d'appeler la sphère du logos. Alors le logos en grec, c'est l'esprit, mais c'est aussi la parole. On pourrait dire que le logos, c'est la manifestation de l'esprit à travers la parole. On pourrait dire que c'est la manifestation du sens dans le langage, dans le discours. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'on traduit le mot logos dans la Bible. On le traduit par le verbe. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure pour dire que précisément le verbe, c'est à la fois le lieu, le véhicule de l'esprit et du sens. Donc, c'est l'essence même de l'école de hisser l'élève à cette condition de sujet pensant. Le mot même d'instituteur contient cette idée, à savoir que l'instituteur, c'est celui qui institue l'élève, c'est-à-dire qui l'aide à devenir un être symbolique et spirituel, et non pas seulement un être sensible et corporel. En ce sens, le rôle de l'école, ce n'est pas simplement de former des adultes ou des élèves à une profession, à un métier. Ça, c'est plutôt le lieu des études. C'est le rôle dévolu aux études, qu'elles soient théoriques ou pratiques, c'est-à-dire de former à un métier, de former à une profession. C'est le lieu de la spécialisation. Mais l'école en tant que telle n'a pas ce rôle. Elle n'a pas ce rôle de préparation à la vie professionnelle. Elle n'a pas ce rôle d'adaptation des individus au monde moderne. Mais bien au contraire, elle a pour rôle de former ce qu'on pourrait appeler des enfants du logos. Et qu'est-ce que le logos ? Eh bien, on va essayer de le voir à travers cette conférence, c'est la condition même de la liberté.
c'est tout le sens de ce que les Grecs appelaient la scolée. L'école, chez les Grecs, c'était la scolée, qui a donné school en anglais, qui a donné scolaire en français. Et la scolée, c'était l'espace séparé du monde extérieur, du monde matériel, le monde extérieur étant le monde des préoccupations quotidiennes, le monde des préoccupations matérielles, c'est-à-dire le monde de la survie matérielle. Et en ce sens, l'école, comme lieu séparé des préoccupations externes, était considérée comme sacrée. Elle est toujours considérée théoriquement, du moins, comme sacrée. Sacrée signifiant précisément séparée. Ce qui est sacré, c'est ce qui est séparé du profane, c'est-à-dire du monde ordinaire. L'école, c'est donc le lieu de l'élévation par l'esprit, un lieu détaché du monde extérieur, détaché de ce que Heidegger appelait le souci. Le souci, c'était la préoccupation issue du fait que l'on s'insère dans un réseau interrelationnel où l'on se définit d'abord par notre rapport à une activité ou à une correspondance avec les éléments qui nous entourent. Au contraire, dans l'école, l'élève ne doit pas avoir à se soucier des préoccupations extérieures. Il doit pouvoir être entièrement libéré, entièrement dégagé de ses problématiques, les problématiques extérieures qui sont les contraintes matérielles liées à la survie. Alors, je fais un petit rappel, ça risque de faire doublon avec ce que j'ai pu dire dans d'autres conférences, mais peu importe. Cette idée, cette dichotomie entre les préoccupations matérielles et les aspirations spirituelles, on la retrouve dans la définition que donnait Platon de l'âme humaine. Pour Platon, l'âme humaine pouvait être divisée en trois parties, plus exactement en trois fonctions ou trois facultés. La première fonction, c'est la fonction, pour ainsi dire, animale. C'est la fonction biologique, matérielle, qui est liée à la survie du corps. La deuxième dimension, l'étage supérieur, c'était la dimension sensible, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du cœur. D'ailleurs, dans la répartition des fonctions dans la cité de Platon, eh bien, chaque fonction de l'âme correspondait à une fonction sociale. Donc je parlais de la fonction matérielle, ce qu'il appelait l'épitoumia, le rôle de la satisfaction des besoins du corps était dévolu aux laboureurs, c'est-à-dire aux travailleurs de la terre, qui assuraient la survie matérielle du corps. La deuxième partie, la partie sensible, correspondait au guerrier. Pourquoi ? Parce que le guerrier, c'est celui qui a du courage, et le courage, c'est la faculté du cœur. C'était donc la fonction de la défense. La troisième fonction, c'était la fonction du philosophe, qui chez Platon devait être roi. Il disait que le philosophe devait devenir roi ou que les rois devaient devenir philosophes, ce qui revenait au même. C'est-à-dire, ça correspondait aux personnes qui avaient réussi à s'extirper de l'ensemble des besoins et de l'ensemble de l'agitation des émotions et qui étaient gouvernées par les seules lois de la raison, c'est-à-dire les lois du logos. Et en ce sens, la sagesse du philosophe lui conférait la légitimité et l'autorité du gouvernement. Donc, la scolée, de ce point de vue-là, l'école grecque, c'était le lieu de la maîtrise des passions, le lieu de la maîtrise des émotions par l'exercice de la raison. L'élève peut se concentrer sur l'apprentissage avant d'être livré au monde, avant d'être jeté dans le monde. On pourrait dire que l'élève devait se former, c'est-à-dire faire un travail sur lui-même, pour pouvoir transformer, c'est-à-dire faire un travail sur l'extérieur. L'école, en ce sens, doit être conçue comme un lieu hermétique aux soucis, hermétique aux préoccupations matérielles, et par conséquent, le lieu par lequel on accède à une forme de sagesse. Ici, le mot sagesse doit aussi être pris dans l'ensemble de ses acceptions. Lorsqu'on dit d'un enfant qu'il est sage, on veut dire qu'il est discret, qu'il est obéissant. Lorsqu'on dit d'un adulte ou d'un jeune adulte qu'il est sage, on veut dire qu'il est raisonnable. Par exemple, un adulte qui doit passer un examen, un concours, qui doit travailler tôt le lendemain matin, eh bien, il considérera comme sage la décision de ne pas sortir se bourrer la gueule la veille, parce qu'il sait très bien que c'est pas raisonnable. Donc c'est ça la sagesse. Et puis la troisième acception de la sagesse, c'est cette sagesse précisément du philosophe, qui est celui qui a acquis la capacité à maîtriser ses passions, et donc à laisser sa raison gouverner.
Pourquoi ? Parce que le gouvernement de la raison, c'est la liberté. C'est le contraire de la tyrannie des passions qui sont le lieu de la servitude. On pourrait dire dans ce cas-là que le philosophe, c'est celui qui est obéissant à l'égard de la raison. C'est le serviteur du logos. Puisque c'est par l'esprit essentiellement que l'homme devient libre. Comme on l'a vu, ce n'est pas par les passions. Les passions sont des atteintes extérieures à l'individu, mais qui le contraignent et qui finalement le privent d'une partie de sa liberté. Lorsque l'on est soumis à nos passions, lorsqu'on l'on est soumis à nos pulsions ou à nos émotions, on voit bien qu'on n'est pas libre. Lorsqu'on se met en colère, par exemple, parce que quelque chose nous a mis en colère, on dit bien « nous a mis en colère », c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extérieur qui entre en nous et finalement que nous subissons. Et dès lors que nous cédons à cette pulsion ou à cette passion, nous cessons d'être libres. L'école, en ce sens, peut être conçue comme le lieu de l'acquisition de la sagesse, c'est-à-dire l'exercice de la raison comme moyen de maîtriser ses passions. Alors, attention, je fais tout de suite une précision. Il ne s'agit pas de dire que le domaine du corps, c'est mal. Il ne s'agit pas de dire que la chair, c'est mal. Il ne faut pas être dans une vision manichéenne. Une vision manichéenne est toujours une vision statique, c'est-à-dire une vision qui s'empêche de concevoir et de saisir les relations entre les choses. Pour ma part, je préfère être dans une vision plutôt dynamique, une vision dialectique. Le corps n'est pas le contraire de l'esprit. Le corps, c'est l'enveloppe de l'esprit. Ou encore, c'est le véhicule de l'esprit. Et d'ailleurs, on dit bien d'une enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qui sert à envoyer une lettre. C'est ce qui sert à l'acheminer. De la même façon que le véhicule, c'est ce qui sert à acheminer, c'est-à-dire à faire le chemin. Donc le corps, c'est le véhicule par lequel on réalise, on parcourt un chemin vers la sagesse. À ce niveau-là, il faut comprendre que les premiers savoirs sont d'abord d'ordre sensible et d'ordre individuel. C'est par l'expérience que l'on acquiert nos premiers savoirs. C'est parce qu'on voit, parce qu'on aperçoit, parce qu'on remarque, parce qu'on ressent, parce qu'on éprouve. Éprouver, qui vient du grec empereia, qui a donné le mot empirisme d'ailleurs, ce qui est empirique, c'est ce qui relève de l'expérience, c'est-à-dire du contact avec la matière. C'est de l'ordre de la sensibilité. Eh bien, ce stade de la connaissance sensible, il est indispensable, il est nécessaire. Et il n'est pas question de le nier. Il n'est pas question de dire que parce que c'est une connaissance qui relève du corps, elle doit être dévalorisée. Non. Elle est le premier stade de la connaissance. Et d'ailleurs, alors j'ai étudié la philosophie, donc tout le monde n'a pas fait de la philosophie ici forcément, mais en philosophie, on considère la plupart du temps qu'il existe trois stades de la connaissance. La connaissance sensible, littéralement sensible, qui provient des sens. La connaissance intelligible ou intellectuelle, qui est le fait de la raison. Et enfin, le dernier stade, qui est la connaissance intuitive, qui réalise la synthèse entre la dimension sensible et la dimension intellectuelle. Et d'une certaine manière, le philosophe, c'est un petit peu celui qui réalise la synthèse entre la connaissance du scientifique, d'ordre intellectuel, et la connaissance de l'artiste, d'ordre sensible. C'est pour ça que tout dans la culture procède de cette tripartition, c'est-à-dire de cette division entre le sensible et l'intellectuel, et de leur réunion, de leur synthèse sous la forme de l'intuition. Donc la connaissance sensible doit être ici comprise comme le premier stade de la connaissance, le point de départ. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que chacun est le propre point de départ de sa connaissance. Par exemple, si on dit à un enfant qu'il ne faut pas jouer avec le feu parce qu'il risque de se brûler, c'est le rôle d'un parent de prévenir ou d'avertir son enfant qu'il va se brûler. Mais tant qu'il ne s'est pas brûlé, il ne saura pas que ça brûle. Donc il faut qu'il se brûle pour savoir que ça brûle. Et on aura beau lui dire de ne pas le faire, il faut qu'il le fasse pour le comprendre. Tant qu'il ne l'aura pas fait lui-même, il saura vaguement, c'est-à-dire théoriquement, de manière abstraite, il saura que le feu brûle. Mais il ne l'aura pas vécu dans sa chair, il ne l'aura pas vécu physiquement. Donc d'une certaine manière, il ne le saura pas. Il faut donc en passer par l'expérience individuelle pour ensuite dépasser l'expérience individuelle et ensuite arriver à ce stade de l'intellect, qui est la généralisation de l'expérience sous la forme du concept. En somme, on pourrait dire que le corps doit éprouver pour que l'esprit valide. Et l'enfant, vous remarquerez d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont des enfants dans leur entourage familial, que l'enfant, il a ce besoin irrésistible de toucher tout ce qui se présente à lui.
Il a besoin d'être en contact avec la matière, d'être en contact avec la réalité sensible. Et il doit en passer par le contact du corps pour ensuite être en contact avec l'esprit. Donc l'esprit, ici, n'est pas le contraire de la pensée ou de la raison. Pardon, du corps. L'esprit n'est pas le contraire ou l'adversaire du corps. L'esprit, c'est le dépassement du corps. On pourrait dire son dépassement dialectique. Et cette dialectique entre le corps et l'esprit peut nous fournir des clés aujourd'hui de réflexion sur ce que pourrait être une pédagogie réellement efficiente. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle contient ce qui est le principe même de l'éducation, c'est-à-dire le passage de l'individuel à l'universel, le passage du personnel, de l'expérience, au général et à l'abstraction. C'est par l'abstraction que l'on peut embrasser la totalité du monde. Je dis bien embrasser au sens littéral, c'est-à-dire prendre dans ses bras. Comprendre, ça veut dire avoir en soi. Et qu'est-ce qui nous permet d'embrasser la totalité ? Eh bien, c'est le concept. Mais c'est d'abord par l'expérience, et plus précisément par la répétition des expériences, que l'on peut parvenir à la généralité. L'essence même de la pensée, c'est la généralisation. On dit souvent, il ne faut pas généraliser. Mais si on ne généralise pas, on ne peut pas penser. Si on ne généralise pas, on ne peut pas parler, on ne peut pas communiquer. Lorsque j'emploie un mot commun, un nom commun. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'emploie un même mot pour désigner des choses différentes. Oui, sans ça, je ne peux pas penser, je ne peux pas véhiculer ma pensée. En ce sens, généraliser, c'est la fonction de la pensée, c'est ce qu'on appelle la conceptualisation. Alors un exemple, pour rendre ça un peu concret, lorsque on étudie les mathématiques, lorsqu'un élève étudie les mathématiques, par exemple, on lui explique que dans un triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Bon. Et ça, c'est valable pour tous les triangles et non pas pour tel ou tel triangle qui se présente sous ses yeux. Alors, la géométrie présente cette vertu qu'elle permet de rendre sensible les mathématiques. Elle permet de visualiser le monde des nombres. D'ailleurs, je fais remarquer que mathématiques, en grec, ça veut dire ceux qui savent. Donc, c'est intéressant. Les mathématiques constituent en ce sens l'archétype du savoir, c'est-à-dire, c'est le domaine dans lequel s'exercent des lois, des constantes, des régularités. Et tout notre savoir, toute notre connaissance est fondée sur l'identification de lois, de constantes et de régularités. L'apprentissage, ce serait donc ce passage du local, du lieu, à l'universel, de l'individuel au général. Mais cela veut donc dire que c'est par l'individuel, par l'expérience, que l'on peut accéder à l'universel. Or, on va avancer, on apprend d'autant mieux que l'on est concerné personnellement par son objet d'étude. On apprend d'autant mieux que l'on se sent concerné par ce que l'on étudie. Alors tout à l'heure, je prenais l'exemple du feu. Eh bien oui, la brûlure du feu implique que l'on se soit soi-même brûlé pour ensuite pouvoir donner corps à cette idée, à ce concept. Mais sans le recours à l'expérience, nous ne sommes pas impliqués dans l'apprentissage. Or, il faut être impliqué pour ensuite pouvoir expliquer. On pourrait dire que l'apprentissage, c'est donc un voyage. Le voyage, c'est suivre une voie, c'est suivre sa propre voie. L'enfant auquel on explique que le feu brûle, mais qui ne s'est jamais brûlé personnellement, ne sait pas réellement que le feu brûle. Il sait que c'est le cas, mais il ne sait pas ce que cela signifie. On apprend d'abord de ses expériences, par généralisation, ensuite par l'esprit, de ses propres expériences. Ce qui d'ailleurs nous permet tout de suite de dire une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on a lu des tonnes de bouquins que l'on est quelqu'un d'intelligent. On peut avoir lu des tonnes de bouquins et être un parfait abruti. De la même façon, on peut n'avoir lu aucun livre de sa vie et être extrêmement intelligent, c'est-à-dire avoir une intelligence du réel. Puisque la condition de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est l'attention à l'expérience qui permet d'en déduire une leçon. Qu'est-ce que c'est que la généralisation ? C'est une leçon. D'ailleurs, ça me fait penser, je fais une petite parenthèse, vous connaissez tous, je pense, ici, La Fontaine. Et vous savez que les fables de La Fontaine sont transmises à nos enfants, à nos élèves, par le biais de la récitation. Et souvent, les enfants ne comprennent pas pourquoi on leur demande d'apprendre ces fables, puisqu'ils se disent « Mais finalement, j'apprends par cœur des choses qui ne me serviront à rien. » Évidemment, c'est un mauvais raisonnement.
puisque dans la fable, ce qui est contenu, c'est une leçon universelle. Et on remarque que la leçon universelle, quelle est sa condition? Sa condition, c'est d'être exprimée sous la forme d'une allégorie. Parce que l'allégorie, c'est précisément ce qui permet d'embrasser la totalité. C'est ce qui permet de donner une leçon qui ne soit pas simplement valable dans un contexte, dans une situation ou pour une seule personne. Donc le recours à l'allégorie est aussi lui-même un outil didactique, un moyen d'apprentissage. Alors je vais prendre un petit exemple, là encore concret. Donc moi je suis prof de philo, donc par mon métier j'ai l'occasion très souvent de devoir expliquer des concepts de la philosophie. Tout à l'heure j'en ai employé un, j'ai employé le concept de dialectique. Alors si je veux expliquer à l'un de mes élèves le concept de dialectique, j'ai deux possibilités. Soit je vais lui lire la définition, donc je vais lui dire, donc la dialectique c'est une méthode argumentative par laquelle on accède au vrai par la réfutation progressive du faux. Le problème c'est que c'est pas sûr qu'on comprenne exactement ce que ça signifie. Alors il y a une deuxième manière, donc moi je dis ça souvent à mes élèves, je dis ça t'arrive de faire des erreurs? Oui, ça m'arrive. Bon. Et quand tu fais une erreur, tu t'en aperçois? Oui, je m'en aperçois. Mais après, bien sûr. Et du coup, quand tu t'aperçois que tu as fait une erreur, tu continues à la faire ou tu arrêtes de la faire ou tu évites de la faire? Ben non, je ne la fais plus. Très bien. Donc, quelque part, ton erreur a été utile. Pourquoi? Ben parce que si tu as fait une erreur et que tu l'as reconnue, tu ne vas plus la faire. Ah ben oui. Donc du coup, l'erreur est positive dans la mesure où elle permet de dépasser l'erreur. Si vous préférez, il faut faire une erreur et l'identifier pour pouvoir la dépasser. C'est ça la dialectique, ce n'est rien d'autre que ça. La dialectique, c'est l'identification de l'erreur que je vais surmonter, que je vais dépasser pour ensuite accéder à quelque chose d'un peu plus vrai. L'erreur m'aide à dépasser l'erreur. Je la vis d'abord comme quelque chose de négatif, subjectivement comme quelque chose de négatif, mais objectivement, c'est-à-dire avec le recul, c'est quelque chose de positif. L'erreur est donc constitutive du vrai, elle est le versant négatif du vrai, ce qui m'amène à dire qu'il est totalement absurde aujourd'hui de nous faire croire qu'il ne faut pas dire aux enfants, lorsqu'ils font une erreur, lorsqu'ils se trompent, sous prétexte que cela pourrait les perturber ou les traumatiser. Il y a un grand débat actuellement qui se joue pour savoir s'il faut continuer à maintenir les notes, ça pourrait les traumatiser d'avoir une mauvaise note. On ne pense pas au fait qu'un élève qui aurait des mauvaises notes et qui tout à coup se mettrait à avoir une bonne note, ce serait un excellent stimulant et un facteur de motivation extrêmement puissant. De la même façon, on ne veut pas noter les fautes en rouge, parce que le rouge, c'est mal, le rouge, c'est négatif, le rouge, c'est traumatisant. C'est absurde. C'est pas ça qui est traumatisant. Ce qui est traumatisant, c'est pas de dire à un élève qui s'est trompé qu'il s'est trompé, puisque fatalement, il va rencontrer des gens qui lui feront remarquer qu'il s'est trompé. Ce qui est grave, ce qui est traumatisant, en revanche, c'est de laisser entendre que de faire une erreur, ce serait quelque chose de honteux. Et en ce sens, on confond l'erreur et la faute. L'erreur, elle peut se corriger. La faute, c'est de laisser passer une erreur sans chercher à la corriger. Donc la faute, c'est la manière de réagir à l'erreur, puisque l'erreur est humaine, précisément, et sans erreur, on ne progresse pas. Donc le paradoxe, ce que j'appellerais le paradoxe éducatif moderne, eh bien c'est qu'au nom de la préservation de l'enfant, au nom de sa protection et de son intégrité mentale et psychique, eh bien on va abandonner toute ambition de l'instruire, sous prétexte que l'apprentissage serait une forme de violence. Alors ça, c'est qui a été beaucoup développé par le sociologue Pierre Bourdieu dans les années 70, qui définissait l'acte d'apprentissage comme un acte de violence symbolique, susceptible, à ce titre, de traumatiser les élèves. Alors déjà, on peut faire remarquer à Bourdieu que si lui-même n'avait pas subi cet apprentissage, il n'aurait pas pu accéder à la fonction de professeur au Collège de France, donc il n'aurait pas pu pavoiser pour expliquer qu'il ne fallait pas apprendre des choses aux jeunes générations. Lui-même a bénéficié de ce savoir. La deuxième chose, c'est que par définition, tout ce qui est inconnu est une violence. L'inconnu, c'est ce qu'il y a derrière la cloison du connu. C'est ce qui demande donc à être percé, à être perforé, à être pénétré. Et l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette extériorisation, c'est le fait de repousser ses limites du connu, précisément, pour pouvoir le maîtriser. Ce qui est angoissant, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose qui soit inconnu, c'est le fait de rester derrière les limites de cet inconnu
de peur de le pénétrer, de le perforer. Donc, pour ne pas traumatiser nos enfants, eh bien, on les laisse dans l'inconnu, ou plus exactement, dans un connu qui les empêche de connaître l'inconnu. On préfère donc les laisser dans l'ignorance plutôt que de les doter des moyens de leur propre arrachement à leur situation d'enfant. Comme si le but de l'école, finalement, était d'apprendre l'enfance aux enfants. Devenir adulte, au contraire, plus exactement, pas devenir adulte, je devrais dire devenir un sujet, puisqu'on peut être adulte et être parfaitement dépendant, être parfaitement ignorant, et dans cette terreur et dans cette angoisse de l'inconnu. Mais devenir un sujet, le sujet, rappelez-vous, en français, on vous l'a expliqué, c'est celui qui fait l'action. Celui qui fait l'action, c'est-à-dire c'est celui qui maîtrise le verbe. Et on revient au verbe de tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit, le logos. Le sujet, c'est celui qui a la maîtrise du logos. Le but de l'éducation, c'est de transformer l'enfant d'objet à sujet. Pourquoi objet ? Parce qu'il est d'abord un objet, l'enfant. L'objet des attentions, l'objet du souci, précisément, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est considéré comme n'étant pas doté des moyens de sa liberté. Le sujet, au contraire, c'est celui qui réalise le logos. C'est celui qui dépasse sa condition d'être dépendant, d'être soumis à ses désirs corporels, à ses pulsions, à ses passions, pour enfin devenir un sujet libre et autonome. Autonome, auto, soi-même, nomos, la règle, celui qui se gouverne selon ses propres lois. Devenir autonome, l'élève qui devient autonome, c'est l'élève qui devient finalement son propre tuteur, ou son propre instituteur, au terme du cheminement. Oui, l'apprentissage est une souffrance, mais la souffrance est la condition même de cette émancipation par l'apprentissage. Le mot « travail » en lui-même signifie « souffrance ». « Tripalium » en latin, c'est l'instrument de torture. Donc tout travail est une souffrance, par définition. Le problème n'est pas de savoir si l'apprentissage est une souffrance. Le problème est de savoir si l'apprentissage mérite la peine de cette souffrance. Et c'est une toute autre question. Faciliter l'apprentissage, ce n'est pas supprimer l'effort. C'est en donner le goût. Et qu'est-ce qui peut donner le goût de l'effort ? Eh bien, c'est le désir. Le désir, Eros, c'est une force, le désir. Quand vous désirez quelque chose, qu'est-ce qui se passe en vous ? Il y a une force qui se manifeste, qui vous pousse vers quelque chose. C'est ça la définition du désir. C'est une force intérieure qui vous pousse vers un objet extérieur. Et dès lors, ce n'est plus un travail d'acquérir ou de s'approprier l'objet du désir. Ou plutôt, c'est un travail, c'est une souffrance consentie, puisque vous en connaissez la motivation et vous savez qu'elle est une source de satisfaction. C'est par exemple le désir tel qu'il se manifeste dans la curiosité. Si vous vous intéressez à un sujet, que vous êtes curieux, vous allez faire le travail de recherche qui va vous permettre de satisfaire votre curiosité. Mais ce travail ne sera pas une souffrance au sens où l'entend. Il ne deviendra une souffrance qu'à partir du moment où l'on vous aura privé de ce désir, de cette curiosité qui vous pousse vers cet objet. Et c'est exactement ce qui se passe à l'école de nos jours. Qu'est-ce qui fait naître la curiosité ? C'est l'énigme. L'énigme, c'est l'obstacle. Et l'obstacle, c'est ce qui doit être percé. Connaître, c'est découvrir. Découvrir. Ôter ce qui couvre, ôter ce qui cache, ôter ce qui voile. Ce qui correspond d'ailleurs à la définition de la vérité chez les Grecs. La vérité, c'est aletheia, le retrait du voile. Et c'est exactement le tempérament naturel de l'enfant. Cherchez à ôter ce qui couvre. Faites l'expérience. Vous recouvrez un objet dans une pièce d'un voile et vous faites entrer un enfant qui a l'habitude des lieux. Il va voir le voile. Il va demander « Mais qu'est-ce qu'il y a dessous ?» Si vous ne lui répondez pas, il va enlever le voile. Parce que son instinct naturel d'enfant, c'est de percer l'obstacle des apparences. C'est celui qui va vouloir donc chercher à aller au-delà du voile pour connaître. Eh bien, cette curiosité, on dit souvent la curiosité est un vilain défaut, mais elle est un vilain défaut lorsqu'il s'agit de la curiosité envers l'intimité des autres. Bien entendu qu'elle est un vilain défaut dans ce cas-là. Mais elle n'est plus un vilain défaut dès lors qu'il s'agit de percer les secrets de l'univers. Or, de plus en plus, eh bien, le désir et la curiosité s'amenuisent à mesure que nous croulons sous la masse d'informations. Nos sociétés technolibérales sont celles de la profusion d'informations. Autrefois, lorsque on voulait se documenter, lorsque l'on voulait apprendre, on devait se rendre dans une bibliothèque. On devait
parcourir les rayons. On devait consulter les catalogues, éventuellement s'adresser aux documentalistes. Apprendre de ce point de vue-là, c'était une quête, une enquête. On était une sorte de détective qui menait l'enquête pour essayer de résoudre l'énigme. Donc il y avait une stimulation. C'était stimulant de connaître. C'était exotique. Alors exotique, je précise tout de suite, exotique, ça ne veut pas dire tropical. Exo, c'est extérieur. Ce qui est exotique, c'est ce qui est ailleurs. Il y a un exotisme dans l'apprentissage, dans la mesure où l'apprentissage, c'est précisément la découverte de ce que l'on ne connaît pas. C'est un voyage, on y revient. Le développement d'Internet et des technologies de la communication et de l'information a rendu désormais accessibles des tonnes de documents à portée de clic. Il n'y a donc littéralement plus rien à conquérir. Le résultat, c'est qu'on a tué la curiosité, on a tué le désir, parce qu'on désire d'abord ce qui nous manque, et non pas ce qu'on nous offre, non pas ce qu'on nous donne à profusion. Le contresens de nos sociétés libérales modernes a été de croire qu'en augmentant la quantité disponible des ressources et des informations, eh bien on allait augmenter de manière quasiment mécanique la quantité des savoirs et de la culture. Ce qui déjà repose sur une représentation de la connaissance comme quelque chose de quantitatif, ce qui nous fait oublier la principale leçon des humanistes qui est « il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Non seulement nous n'avons pas augmenté le savoir et la culture, mais on a même créé les conditions de l'inverse. Et c'était fatal. La profusion des informations a tué le désir d'apprendre, de la même façon que la profusion des marchandises a tué le désir de consommer. Pourquoi ? Parce que dans l'acte de consommation, il y avait encore l'idée que le consommateur était un sujet de son acte. C'est lui qui réalisait l'acte d'achat. Il s'appropriait un objet de consommation. Aujourd'hui, c'est l'individu lui-même qui se consomme dans la consommation. Il s'oublie dans l'objet. Il se perd dans l'objet. Il devient l'objet de la marchandise. Et c'est le sens même de la notion d'aliénation. Ce n'est plus l'individu qui possède la marchandise, c'est la marchandise qui possède l'individu. Faites l'expérience aujourd'hui, vous avez quantité invraisemblable d'adolescents, si vous leur confisquez leur téléphone portable, je vous assure qu'ils vous font des trous dans les murs. Et vous aurez beau leur expliquer, ça dépasse la raison. Et aujourd'hui, la technique, c'est précisément ce qui nous dépasse à tous les niveaux, à tous les sens du terme. Dès lors que tout est offert, dès lors que tout est disponible, eh bien pourquoi s'emmerder à aller chercher? Pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder dans une bibliothèque ou à consulter des ouvrages si je n'ai qu'à taper quelques lettres sur ma barre de recherche depuis mon salon ou depuis mon canapé? Ça n'a pas de sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même certains parents estiment que le fait que leurs enfants fassent des fautes d'orthographe, attention, quand je vous dis fassent des fautes d'orthographe, c'est vraiment c'est trois fautes à chaque mot, ou qu'ils ne sachent pas leur table de multiplication, ben c'est pas grave, parce que maintenant il y a des correcteurs orthographiques. C'est pas grave, parce que maintenant il y a des calculatrices. Alors, je pense que si Pascal, on lui avait dit qu'aujourd'hui les mathématiques nous permettraient de cesser de penser, puisque c'est ça finalement la finalité, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technique, qu'est-ce que c'est? C'est un acte d'extériorisation du savoir de l'homme dans un objet. C'est-à-dire que lorsque je fabrique quelque chose, je dépose mon savoir dans cet objet. Mais dès lors que je dépose mon savoir dans cet objet, je ne le possède plus. Et je m'appuie sur lui. L'outil, c'est la béquille sur laquelle je m'appuie pour marcher alors que je ne boite pas. Eh bien, si je continue à marcher avec cette béquille, je ne pourrai plus marcher sans. Donc je me rends dépendant de l'objet technique dont je n'avais pas besoin au départ. Aujourd'hui, tout le monde utilise un téléphone portable, tout le monde utilise un ordinateur, une tablette, tout ce que vous voulez, mais personne n'a la moindre idée de ce que ça représente de créer cet objet. C'est-à-dire qu'on utilise des objets qui contiennent un savoir, mais on est totalement ignorant du savoir qui a permis de concevoir l'objet. Et donc par l'extériorisation de la connaissance dans l'objet technique, dans l'outil, on est parvenu exactement au résultat inverse de ce qu'il était censé apporter. C'est-à-dire, non plus un objet de libération, non plus un objet d'augmentation de sa puissance, mais au contraire, un objet d'aliénation, un objet de soumission et de dépendance. L'erreur de notre civilisation a été de croire que parce que nous étions modernes, nous étions supérieurs à ceux qui nous précèdent. Or,
c'est celui qui se croit supérieur qui est dans la position la plus fragile, car c'est celui qui se dispense d'avoir à maintenir son effort. Notre foi dans la technologie, alors une technologie que nous vénérons et que nous fétichisons comme on vénère tout ce qui nous dépasse finalement, pourrait bien s'avérer fatale. C'est cette foi aveugle, religieuse, dogmatique. J'emploie le mot religieuse, non pas au sens étymologique qui est la religion, c'est d'abord ce qui relie. Ce qui relie de manière verticale, c'est-à-dire l'homme au ciel, à une divinité, et puis ce qui relie les hommes de manière horizontale, c'est la communauté. Mais aujourd'hui, j'emploie plutôt le terme de religion au sens de dogmatisme, puisque la technologie libérale est devenue un véritable objet de culte et de vénération. On vénère l'outil, non pas ce qu'il permet d'obtenir, mais l'outil en lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut passer plus de temps à utiliser l'outil qu'à recueillir les bénéfices de ce qu'il est censé produire. C'est ce que disait le philosophe McLuhan, le philosophe canadien des médias, qui disait que désormais le message, c'est le médium. C'est-à-dire, ce n'est plus le contenu, mais le contenant. Le contenant est devenu un message en lui-même. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'objet, le médium, le contenant, détermine en grande partie le contenu, c'est-à-dire ce qui est exprimé. Et il suffit de lire une conversation Facebook ou SMS pour s'en rendre aussitôt compte. Il n'y a pas de dialogue possible sur Facebook ou par SMS. Ne serait-ce que par le fait que dès lors que l'on est isolé physiquement de son interlocuteur, on n'est plus dans une relation d'échange et de dialogue. La grande majorité des informations échangées dans une discussion, dans un dialogue, le sont par la gestuelle, par le ton, par le grain de la voix, par des choses qui sont totalement inexprimables par le format des technologies modernes, de communication moderne. L'école technolibérale, contrairement aux préjugés courants, elle ne place en aucun cas l'enfant au centre du système. Elle place l'outil au centre du système, au détriment de l'enfant, au détriment de son accès à la condition de sujet libre et critique, de sujet libre parce que critique. Et c'est ça, selon moi, l'essence même de l'aliénation. Je vous remercie. Par rapport à l'objet qui contient le savoir. Et du coup, ça m'a fait rappeler un petit peu ce qui s'est passé en Languedoc-Roussillon, qui était une des régions les plus pauvres de France au niveau de l'éducation, et la région qui a foutu des ordinateurs dans toutes les classes jusqu'aux universités. Maintenant, les gens prennent des cours sur leur ordinateur. Et du coup, ça c'est très récent parce que moi je suis de 86, j'ai jamais eu accès à des ordinateurs en cours. Et je me demande qu'est-ce que ça va produire chez les jeunes générations. Et j'en avais débattu avec un ami, je m'étais dit, est-ce que ça va les aider à réfléchir plus vite? Et il m'avait répondu, au moins, on pourra se passer les cours, si jamais quelqu'un ne va pas en cours, il aura une prise de notes correcte, il pourra le photocopier, le dupliquer, comme ça on peut se permettre de ne pas aller en cours. Donc en fait, cette décision du gouvernement de la région pour faire accéder aux classes les plus populaires à un outil qui est l'ordinateur, alors c'est devenu finalement contre-productif pour l'éducation, et il s'est avéré qu'au moment où ils devaient rendre à la fin des études l'ordinateur, la majeure partie des gens justement qui n'avaient pas assez d'argent avaient vendu cet ordinateur et du coup n'avaient même plus l'outil. Alors voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors plusieurs choses. Je pense déjà, alors la première chose intéressante à remarquer, c'est qu'on est les... Je ne vais pas dire « on » parce que je pense qu'on ne doit pas être associé et assimilé à ceux qui prennent les décisions, déjà, au niveau gouvernemental. Je pense que le « on » aujourd'hui n'est plus de mise, c'est plutôt le « il » ici. Cette promptitude à déclarer le principe de précaution à tout bout de champ, bizarrement disparaît dès lors qu'il s'agit des nouvelles méthodes pédagogiques et de leurs conséquences sur les prochaines générations. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce que cela va produire sur du long terme, mais pourtant, on ne s'empêche pas de le faire, on ne se prive pas de le faire. Alors, j'ai eu l'occasion, je l'avais déjà dit, je crois, dans une précédente intervention, de voir, donc c'est anecdotique, mais parfois l'anecdote contient plus de vérité qu'un discours. Un enfant, en très bas âge, peut-être 2 ans, qui avait été nourri au lait du numérique
Donc il avait déjà sa propre petite tablette numérique. Et lorsque on lui a mis un vrai livre, ça me fait mal à la bouche de devoir dire un vrai livre, comme si un livre n'était plus ce qu'on appelle un livre, qui essayait de tourner les pages en passant son doigt sur la couverture. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas ce qu'on faisait d'un livre. Mais oui, mais nous, ça nous paraît aberrant, mais parce qu'on a déjà eu des livres dans les mains, la question ne se posait pas de savoir ce qu'était un livre. Mais vous croyez peut-être que pour des enfants, un livre, c'est quelque chose de normal ou de courant ou d'ancré en lui? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que la technologie tactile, digitale, elle produit, elle est vecteur d'un nouveau rapport au monde. Et ça se poursuit également dans les relations de correspondance entre les individus à écran interposé. C'est-à-dire que derrière un écran, on insulte, on dénigre, on méprise comme aucun d'entre nous ne le ferait, parce que notre éducation et notre rapport au monde a d'abord été un rapport physique aux choses. Et que quand on est face à quelqu'un et qu'on l'insulte, on sait qu'on risque d'en prendre une. Donc on ne s'amuse pas à faire ça. Et on a conscience de ça. Mais lorsque notre rapport au monde est structuré, défini et déterminé par un écran qui fait obstacle au monde, eh bien finalement l'autre n'existe plus. Il n'existe que soi et son écran. L'écran d'ailleurs qui pourrait presque être la métaphore du miroir, et c'est ce qui expliquerait aussi aujourd'hui l'effondrement total, quasi civilisationnel finalement de notre époque, où on risque d'être aspiré dans le reflet de notre propre ego. C'est-à-dire que l'écran n'est rien d'autre qu'un miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on se connecte sur Facebook, on met un statut pour parler de soi. On commente ce qui nous intéresse nous, et si quelqu'un vient nous contredire, c'est la guerre. Mais à aucun moment, on va utiliser cet outil pour faire passer l'autre avant soi. On est soi-même, donc notre ego, le fondement de notre rapport aux choses. Et donc, je m'éloigne de ta question, mais pour revenir sur ce développement de l'objet technique et des technologies digitales, je pense que ça crée quelque chose dont on ne se rend pas compte. Alors déjà, apprendre à écrire sur un clavier, ça veut dire que l'on ne saura plus à terme se servir de sa main. Puisque la main, normalement, c'est notre premier outil. La main, c'est une extension du corps qui permet la réalisation de l'esprit. C'est-à-dire que l'artisan, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique quelque chose de ses mains. Mais dans artisan, il y a art. L'artiste, l'artisan, ce sont ceux qui façonnent le monde, la réalité, à partir de leur esprit par l'intermédiaire de la main. Et la main, c'est la partie la plus mobile et la plus libre. C'est celle qui nous rend libre. C'est pour ça qu'il y a toute cette symbolique autour de la main. Mais écrire sur un ordinateur, c'est-à-dire en appuyant sur des touches, non seulement ça nous rend totalement dépendants de l'outil qui nous permet d'écrire, c'est-à-dire que coupure d'électricité, c'est fini, par exemple. Et là, on va rigoler. Et là, on va bien rigoler. Mais en plus de ça, ça crée un rapport complètement vicié au monde extérieur, puisque c'est toujours cette idée d'un écran qui s'intercale entre nous et le monde et qui nous empêche finalement la vraie connaissance du monde. Tout à l'heure, j'ironisais sur les médias comme organe de déformation des consciences, mais en réalité, je le pense. C'est-à-dire que l'écran fait obstacle à la connaissance des choses. C'est d'ailleurs pour ça que tous les artistes comme Magritte, par exemple, ont beaucoup travaillé sur cette question de la représentation et le rapport entre la réalité et la représentation. Ceci n'est pas une pipe, mais c'est sa représentation. Mais la représentation n'est pas la chose. Ou alors on devient soi-même un objet de représentation. Et il se trouve qu'on l'en est soi-même tout le temps en représentation. C'est-à-dire que lorsqu'on s'exprime sur Internet ou lorsqu'on essaye d'apparaître, c'est véritablement ça. Apparaître, c'est se mettre en scène, c'est être en représentation. Et c'est ce rapport au monde qui est induit par l'utilisation des nouvelles technologies. Attention, là encore, je ne fais pas une diabolisation de la technologie. Je dis simplement que dès lors que l'utilisateur n'a pas la capacité de maîtriser son outil, c'est l'outil qui va le maîtriser. Point. Après, c'est un outil absolument fabuleux et merveilleux. Un téléphone portable, c'est magique. Mais la magie, ça peut être aussi dangereux. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'apprécie particulièrement votre intervention, parce que je pense que l'état des lieux est tout à fait lucide. Je suis institutrice depuis 36 ans. Et je pense que non seulement on ne forme plus la pensée de l'enfant,
mais on ne fait plus rien du tout, et on le détruit. Voilà. Donc moi, mon état des lieux, c'est que notre système éducatif, c'est-à-dire l'éducation nationale, que ça aille de la crèche jusqu'à la faculté, est en phase terminale de cancer. Voilà. Je suis enfant de parents enseignants et de grands-parents enseignants. Donc j'ai vu sur 3 générations comment ça a évolué. Et effectivement, il y avait eu pendant un certain nombre d'années, il y a très longtemps, le but de rendre l'enfant encore libre dans son esprit, qu'il accède à la liberté. Et je pense qu'il y a bien longtemps qu'on n'éduque plus l'esprit. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez préciser au niveau du contenu des disciplines, est-ce qu'il y a eu des modifications ou comment vous expliquez en fait c'est parce que les ordinateurs, c'est si on est dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très récent. Donc qu'est-ce qui, je ne sais pas, sur les 20-30 dernières années a changé? Je dirais que ça a changé il y a à peu près une quarantaine d'années. Je pense qu'effectivement, il y a eu un moment donné où on n'a plus voulu éduquer les enfants pour qu'ils soient libres dans leur esprit, qu'ils aient toujours un peu leur libre arbitre, le choix des choses, après la définition philosophique particulière. Mais bon, je pense qu'on les éduquait pour que ce soit des individus effectivement libres de choisir leurs valeurs. Et je pense que les enseignants, petit à petit, ont formaté les enfants à leurs propres valeurs, à leurs propres convictions, et leur ont interdit de penser de façon juste. Voilà. Non, on est plus moi, je le regrette énormément. J'arrive on n'est plus instituteur. Ça fait partie de l'ensemble du monde éducatif. Voilà, il y en a eu des quantités depuis le début de ma carrière, et il y en avait beaucoup moins avant. Et je pense qu'on a fait des quantités de réunions à mon époque, à moi, pour dire rien, alors qu'à l'époque de la génération de mes parents, de mes grands-parents, on se réunissait peu parce qu'on savait tous où on devait aller. Il y avait peu de choses à dire, mais on était dans l'action. Les choses se faisaient. Alors que maintenant, il y a des réunions qui nous donnent continuer. Je pense tout à fait que par rapport aux erreurs aussi, c'est par les erreurs qu'on progresse, donc on a interdit effectivement de mettre les notes. Ensuite, on a interdit les couleurs, donc moi je suis en maternelle, donc on est des bonhommes contents, pas contents, gnagnagna, voilà. On a même dit, maintenant ça traumatise l'enfant, même le bonhomme qui rit, le bonhomme qui n'est pas content, il y en a, ça ne va pas non plus, il faut mettre des couleurs. Voilà. Bon. Non mais on n'arrête pas, on va toujours plus loin, à mon avis, dans le délire, dans la manipulation des individus, surtout des enseignants. Je pense que c'est beaucoup de souffrance pour les enfants. Et je pense aussi pour les enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que ça me donne l'occasion, ce que vous dites, de faire une précision au cas où. C'est qu'évidemment, en critiquant l'évolution contemporaine de l'école, il ne s'agit surtout pas en aucun cas de critiquer le travail des enseignants ou ce qu'essayent de faire certains enseignants. Alors là encore, c'est divers, c'est pluriel, on ne peut pas dire les enseignants d'un côté, etc., etc. Mais je pense que les professeurs, en tout cas en poste et en fonction, sont totalement dépassés en fait par les événements. Donc ils ont la possibilité d'accompagner le mouvement, ils ont aussi la possibilité de s'y opposer, et puis peut-être que 95% ou 90% cherchent simplement à pouvoir exercer leur métier dans des conditions dignes et décentes, et peut-être aussi qu'ils n'ont pas les moyens de s'y opposer, à moins de se réunir en syndicats spécialisés, mais on sait très bien comment ça se finit pour eux dans ces cas-là. Donc, dans tous les cas, je pense que le problème n'est pas celui de la responsabilité des professeurs qui ne font finalement qu'appliquer un cahier des charges qu'ils ne décident pas eux-mêmes. Donc, le problème dépasse largement le simple mode d'exercice de la profession d'enseignant. Et par exemple, on peut être quelqu'un comme moi, issu, disons, de la gauche et qui porte un certain idéal socialiste, tout en considérant qu'aujourd'hui, la fonction publique n'apportera plus rien. C'est-à-dire que ce n'est pas en s'accrochant coûte que coûte à l'idée que l'école publique doit être défendue corps et âme et qu'on doit se battre pour elle. Aujourd'hui, se battre pour l'école publique, malheureusement, ça revient bien souvent dans les faits, je modalise hein, quand même, je nuance, ça revient bien souvent dans les faits à accompagner ce mouvement de destruction des savoirs. Alors oui, dans cette novlangue de l'éducation, donc j'avais noté, donc c'est plus instituteur, c'est professeur des écoles,
C'est plus les connaissances, c'est les compétences, avec les savoir-être, les savoir-faire, etc., etc. On est dans l'idée d'une professionnalisation de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend aux citoyens, enfin aux citoyens, à l'élève, à devenir un citoyen du monde capitaliste moderne. Bien souvent d'ailleurs en lui sous-entendant l'idée que de toute façon avec un diplôme il sera au chômage. Donc dans tous les cas finalement la mission, on va dire, la mission avouée de l'enseignement est contradictoire avec elle-même. C'est-à-dire qu'on veut former des enfants à un métier tout en leur suggérant que de toute façon un diplôme ne permet plus d'obtenir un métier. On nage en pleine contradiction. Je dirais que l'éducation, c'est la condition de l'instruction. C'est-à-dire que si un élève vient en classe et qu'il considère qu'il a le droit de tout faire, que si le prof le punit, le prof va devoir rendre compte au proviseur, que si on lui confisque son portable, c'est une atteinte à la propriété. Vous voyez ? Ce genre de choses. Ben là, on est dans le cas où l'instruction n'est plus possible parce que l'éducation n'est pas là. Et là encore, ce problème de l'éducation, il faut savoir que... alors même, là encore, je vais préciser, mais aujourd'hui, ce ne sont plus les parents qui éduquent, dans beaucoup de cas, qui éduquent leurs enfants. C'est le monde extérieur qui les éduque. C'est la télé, c'est leurs camarades de classe, c'est leur environnement, c'est l'idéologie, finalement. C'est cette espèce de conscience collective qui nous gouverne tous. Puisqu'on est tous finalement plus ou moins soumis à cette idéologie, à des degrés différents. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents ne sont même plus en capacité de pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. La preuve, c'est que... Alors moi, je suis professeur dans le privé et j'ai beaucoup d'élèves en cours particuliers. Ceux qui font appel à des professeurs particuliers sont généralement des gens plutôt aisés. Pas forcément riches, classe moyenne, supérieure ou classe aisée. Ce sont généralement des parents qui travaillent, tous les deux, et qui disent qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation, ou plutôt qu'ils n'ont pas le temps d'être derrière leur enfant quand il y a un problème. Mais je comprends et je conçois parfaitement cela, mais ça m'inspire quand même une idée, c'est que dire qu'on n'a pas le temps d'éduquer son enfant, c'est un symptôme grave. Cela signifie qu'il y a donc des choses aujourd'hui qui passent avant l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire avant la chose pour laquelle on est prêt à mourir. Donc, c'est symptomatique. Et là encore, il ne s'agit pas de juger, de blâmer, de condamner. Il s'agit de relever, d'observer, de constater. Et à partir de là, d'enclencher une réflexion. Mais c'est quand même déplorable de se dire que l'accès des femmes au travail, qui était censé être un levier d'émancipation, a mené dans les faits à la soumission des deux parents au monde du travail. Travail souffrance, travail impératif, d'accord ? Pas travail liberté ici. Travail impératif matériel, vital. On travaille pour remplir le frigo. On ne travaille pas pour passer le temps. On travaille aussi souvent, pourquoi ? Pour pouvoir payer la crèche ou pour pouvoir payer la nourrice. C'est-à-dire que l'argent qu'on gagne en allant au travail, on le dépense dans ceux qui vont éduquer nos enfants. Et ensuite, on fait appel à des personnes extérieures pour pouvoir combler les déficits. Très souvent d'ailleurs avec l'arrière-pensée que parce qu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur, on a fait son boulot. Et je connais des élèves qui refusent de travailler, non pas parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas, mais parce que ce qu'ils veulent, eux, dans leur situation d'échec scolaire, c'est signaler à leurs parents qu'ils ont besoin de leur aide. Et là, quand vous êtes un enseignant extérieur et que votre rôle, c'est de donner des cours de français, de physique, de philo ou de maths, ben vous n'êtes pas préparé à ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc finalement, on se retrouve dans la situation où des parents travaillent pour, a priori, faciliter leurs conditions de vie. Ça crée l'inverse. Du coup, ils appellent des personnes pour essayer de gérer la situation et la personne qui intervient n'est pas apte à faire face à la situation. Tout ça pourquoi ? Parce que, effectivement, dans ce cycle totalement vicieux, eh bien, nous sommes tous soumis aux mêmes lois et aux mêmes règles, c'est-à-dire la loi du travail, de l'exploitation, de l'aliénation, au profit du superflu et contre l'essentiel. Tout se résume à ça,
on peut retourner le problème dans tous les sens, tout se résume à ça. Donc le problème de l'école est peut-être aussi le problème de notre passivité. Peut-être. Il y a aussi le cas de figure des parents qui ne travaillent pas du tout et qui n'ont pas envie de s'en occuper. Oui, bien sûr. On peut décliner la situation dans tous les cas. On paye les enseignants pour ça, donc c'est leur boulot. Voilà. Ils vont faire le travail à notre place. Bien sûr. Donc ils y sont depuis 7h du matin jusqu'à 6h30 du soir, parce qu'après c'est fermé. On met l'enfant en. On le dépose, quoi. Oui, on le dépose. On le dépose pour toute la journée, et puis voilà, le système s'occupera de les éduquer. On ne l'emmène plus, on le dépose. D'ailleurs, à propos de tout ça, il y a une ministre qui l'a avoué à demi-mot il n'y a pas très longtemps. Hein. Les enfants n'appartiennent plus à leurs parents. C'est ça. En sous-entendant que les enfants appartiennent. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, c'est ça. Ça. Je ne sais plus. Non, c'est pas. Alors attendez, peut-être. Allez-y. Non. C'est un concept que je qualifierais, sans faire de polémique, le nom de très socialiste. Non, de gauche. C'est pas pareil. Parce que c'est en fait toute la délégation. J'insiste. Toute cette sémantique nous conduit en fait, in fine, à un retrait total de l'individu de la scène familiale, qui elle-même est attaquée par différentes lois parce que tout se tient. Oui. Donc maintenant, on a complètement des êtres totalement asexués, complètement acculturés, sans identité aucune. Qu'elle soit ou locale, ou même décliner à l'infini. Et donc, partant de là, l'objectif, je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme du tout. Mais ah c'est non, donc non. Un plan c'est qui emmène en fait un individu complètement individualisé, indifférencié, de ses racines. Indifférencié, homogénéisé, atomisé, déraciné. Donc, en fait, ce n'est pas une éducation nationale, c'est en fait un système que je qualifierais de, qui va être de plus en plus oppressif, même pour les profs, pour justement créer une structure. En fait, d'aliénation de la pensée, pour avoir des êtres de consommation, ni plus ni moins. C'est ça, en fait, oui. La finalité oui. Du système éducatif, qui n'en est plus. Ah ben là-dessus, s'il s'agit de reconnaître que cette entreprise. Alors, je vais vous donner une astuce pour ne pas parler de conspiration. Oui, c'est pour ça que j'ai pris des précautions. Non, mais vous savez, moi, ça me fait toujours rire lorsqu'on lance l'accusation de conspirationnisme. Je dis souvent, imagine par exemple un groupe de personnes qui décident dans un bureau d'en faire travailler d'autres pour récolter le fruit de leur travail. C'est une conspiration. Ça s'appelle le salariat. D'accord ? Donc à partir du moment où il y a des patrons qui font travailler d'autres personnes, on pourrait dire que dire ça, ce serait du conspirationnisme. Donc tous les syndicats sont conspirationnistes. Non, ça s'appelle une logique d'intérêt. Et dans une logique d'intérêt, on défend des intérêts et on met en place des stratégies d'intérêt. C'est-à-dire des programmes, des projets qui vont initier, enclencher des mouvements qui vont permettre de récolter des bénéfices. Bon, ben c'est un petit peu sur ce principe-là que fonctionne l'histoire, des luttes d'intérêt. Donc à partir de là, on peut parler tout simplement d'un mouvement général et d'une logique à l'œuvre, sans forcément désigner des agents, on va dire, qui réalisent. Mais dans tous les cas, là-dessus, je rejoins vraiment l'idée que défend Francis Cousin de dire que finalement, ceux qui sont aux commandes et qui définissent ces programmes et ces logiques sont eux-mêmes traversés par cette logique. Ils s'appliquent. Et ce qui permet de le vérifier, c'est que tout ce que l'on vit actuellement en termes de réformes sociales, économiques et sociétales, culturelles, disons, pouvait largement, et a été d'ailleurs, largement anticipé et prévu. À partir du moment où une chose est prévue, c'est qu'elle est prévisible. Et si elle est prévisible, ça veut dire qu'elle relève d'une logique qui se déploie. Donc, parler par exemple, comme des fois je le fais pour m'amuser, parce que bon, faut savoir rire, faut vraiment savoir rire, sinon c'est foutu. Mais je pense que par exemple, une entreprise de vente d'organes par correspondance ou ce genre de choses, bah, ça fait rire. Mais je donne pas 15 ans avant que ça arrive. Peut-être même moins. Eh ben voilà. Bon, ben merci. Mais pourquoi pas ? Parce qu'à partir du moment où cette logique, elle est installée et qu'elle se déploie, rien ne peut l'empêcher. Absolument rien ne peut l'empêcher. C'est-à-dire que Pierre Berger, qui dit « louer son ventre ou louer ses bras, c'est pareil »,
de ce point de vue-là, dans cette logique-là, il a raison. Le problème n'est pas ce qu'il dit, c'est pas que ce qu'il dit est absolument révoltant et c'est scandaleux, on ne peut pas dire ça. Non, c'est la logique qui autorise ça, qui doit être pointée et condamnée. Mais tout ça n'est qu'un symptôme, n'est qu'une résultante, n'est qu'un effet. C'était déjà finalement là, avant. Avant d'être là, c'était là. Finalement, sans dériver du sujet, est-ce qu'on ne pourrait pas dire par rapport à ce que c'était, puisque la fin de la chute du monde, on parlait de la fin du marxisme, c'était donc l'homme avait une définition d'agent de production. Est-ce qu'avec finalement le système capitaliste qui est naissant également, est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est simplement la création d'un agent de consommation de manière totale, totalement standardisée? Oui. Et c'est même plus que ça, parce que d'une certaine manière, la consommation, c'était la continuation, la continuité logique du capitalisme de la production. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui a produit le passage du capitalisme productif au capitalisme de la consommation? C'est tout simplement la saturation en termes de stock de marchandises. C'est-à-dire que la production déployée à un stade illimité implique la nécessité d'instaurer une société de la consommation pour écouler les stocks. Mais aujourd'hui, on est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement envisager aujourd'hui une société capitaliste dématérialisée. C'est tout à fait envisageable. Exactement. Puisqu'aujourd'hui, la virtualisation, la dématérialisation des rapports va peut-être finalement rendre la consommation d'objets matériels superflue. Elle ne sera plus nécessaire. Et si la finalité, c'est la domination, c'est l'asservissement généralisé, la marchandise n'est même plus nécessaire à ce stade. Puisque la marchandise aura été intégrée par les individus. Les individus devenus marchandises n'ont plus besoin de consommer. Il fallait être encore sujet de la consommation pour pouvoir consommer. Mais dès lors que l'on est devenu soi-même objet de consommation, la consommation finalement devient superflue. Qu'est-ce que vous pensez des pédagogies alternatives comme le Royaume Montessori, Steiner? Alors déjà, donc ça dépend lesquels. Ensuite, je pense que c'est comme beaucoup de choses en fait. Je pense que ces méthodes, ces paradigmes, je vais appeler ça des paradigmes éducatifs, c'est-à-dire ces types de rapports à l'éducation, à l'apprentissage, peuvent être parfaitement positifs, mais dès lors qu'ils s'inscrivent dans une logique de libéralisation qui est la nôtre, eh bien, leur conséquence n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que, je vais essayer de prendre un exemple. Alors, c'est assez difficile de choisir des exemples sans avoir l'air de faire du hors-sujet. Voilà, je vais prendre un exemple. Je pense par exemple que, on admet que le libéralisme, c'est la destitution de toutes les valeurs collectives qui fondent une société, qui sont basées sur l'idée d'un respect d'autrui, une certaine idée de la décence, une certaine idée du partage, une certaine idée de la communauté. Le libéralisme individualiste a sapé toutes ces références, toutes ces structures de communauté et de lien, ce que j'appelle les modalités du lien à l'autre. C'est ça d'ailleurs que veut dire socialisme. Le socialisme, c'est le primat de la relation par rapport à l'individu. Maintenant, je conçois que l'on puisse être dans un paradigme, par exemple, antisocial, par refus justement de la société capitaliste. Par exemple, certains groupes anarchistes préconisent l'abolition de l'État et l'abolition de toutes les structures, parce que pour eux, toute structure est intrinsèquement oppressive. Bien ça, j'arrive à le concevoir. Mais aujourd'hui, prôner un engagement anarchiste qui préconiserait la destruction de toutes les structures, dialectiquement, c'est faire le jeu du libéralisme. Je vous parlais par exemple de Michel Onfray. Michel Onfray est un philosophe qui se présente comme hédoniste. L'hédonisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que l'homme est animé de désir et que le plaisir est une finalité de l'existence. Cela se défend parfaitement philosophiquement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, parler de la satisfaction de ses désirs et de la recherche du plaisir, c'est évidemment l'instrument le plus redoutable et le plus efficace du libéralisme. Mais Épicure, dans son jardin, il n'était pas libéral. Il n'était pas capitaliste. Donc ce qui était valable dans un contexte devient finalement contre-productif dans ce contexte-là, dans notre paradigme actuel. Donc quelque chose peut être parfaitement valable et pertinent
sur un plan et devenir quelque chose d'absolument néfaste dans un autre plan. Et c'est la même chose avec ces modèles d'éducation alternatifs. C'est-à-dire que ça peut être un paradigme éducatif extrêmement émancipateur, extrêmement libérateur, mais qui peut aussi jouer sur cette mode libérale de la recherche de l'émancipation à l'égard de toutes les structures. Donc ça peut devenir un puissant vecteur d'individualisme, pour le dire vite. On a eu le cas dans la famille qui a fait Schlein. Ça a été une catastrophe. Oui. Ça a fait des êtres déstructurés de ce qu'on a pu connaître et dépressifs. Voire qui se sont coupés de la famille. Après, je ne connais pas suffisamment le sujet pour. C'est pas libérateur, c'était présenté comme libérateur. C'est présenté comme. Ou alors c'est que les gens n'ont pas compris dans l'application. Voilà. Mais Maria, mon question, par exemple, ça veut dire que les dirigeants sont passés beaucoup par ces écoles-là. Oui. Non, mais vous pouvez être sûr qu'à partir du moment où un mouvement va être mis en avant, valorisé et subventionné, bon, ben, vous savez exactement quelle est la finalité, bien entendu. Non, non, mais quand je dis subventionné, je veux dire symboliquement. C'est compliqué. Par exemple, je vois dans le cas de mes filles, on était pendant un moment en école hors contrat. Oui. C'était hors contrat catholique et c'était chez les dominicaines. La matrice, elles se sont inspirées pour des catholiques et des dominicaines, de la matrice de Montessori, que c'est quelque chose d'intéressant. Je viens dans la matrice. Donc en fait, on peut réadapter les choses. Voilà. Pour une finalité différente. Mais. On connaît aussi des personnes qui sont passées par cette école. Le truc, c'est que pour les deux seuls exemples que je pourrais citer, ce sont des personnalités très consistantes, qui ne sont pas vidées comme eux, tous les enfants qui vont être dans l'usine de tri qu'est l'éducation nationale, par exemple. Mais cette consistance et cette personnalité, ce caractère, fait que d'un coup, on devient isolé dans la société, dans une société où tout le monde est sur son téléphone. Raphaël, ouais. Par exemple, c'est quelqu'un qui il se retrouve pas dans tout ça. On était avec lui hier, il ne sait pas utiliser un téléphone tactile, etc. Et du coup, lui et sa sœur est partie en Argentine, et lui va devenir professeur de français langue étrangère, et donc il va voyager, il va partir. Parce que ici, c'est plus difficile de trouver sa place. Même si en lui-même, c'est une personne construite. Mais en même temps, la question, et ça c'est une vraie question philosophique pour le coup, mais à laquelle tout le monde peut réfléchir, c'est de savoir, est-ce qu'être inadapté au monde moderne, est-ce que c'est pas un bon signe ? Et oui, le problème, non mais je comprends votre réaction, j'ai envie de dire la même chose, mais en même temps, les gens inadaptés ne sont pas heureux d'être inadaptés. C'est un fardeau, mais on n'est pas obligé de les... Non, on n'est pas obligé de les inadapter. Bien sûr, non, mais quand je parle d'inadaptation, je veux dire par exemple, quelqu'un qui tombe en dépression, c'est quelqu'un qui est inadapté au monde extérieur, au monde tel qu'il fonctionne, au monde tel qu'il va. Et quelque part, cette dépression, c'est un signe d'humanité, c'est un cri d'appel à l'aide de quelqu'un de sain par rapport à une société malade. Mais le problème, c'est que dans les faits, ça va le détruire. Donc, c'est un bon signe, mais c'est un mauvais symptôme. Alors, que faire avec ça ? Ça, c'est un vrai chantier philosophique.